Bonjour à tous et à toutes, c'est Verxios et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle astuce Kama sur Dofus. Alors cette technique est vraiment énorme, vous faites 2 millions de bénéfices. Alors ça va être avec la cape de Draemon, donc vous voyez 4 600 000. La technique va être vraiment simple, vous allez faire du craft revente. Donc la technique marche en ce moment, mais peut-être qu'elle ne marchera plus dans quelques temps. Donc vérifiez bien les prix avant d'acheter les ressources. Donc on fait installer la recette, on va à l'hôtel de vente des ressources. Donc je vais couper le canal Alliance. Donc j'avais déjà bien vérifié que c'était bien bon juste avant. Donc vous voyez, cape de Draemon, il faut 10 trames dimensionnelles. Donc on va ouvrir la calculatrice. Voilà. On va prendre les trames dimensionnelles. Il en faut 10. Donc 650 000 kama. 600, pardon, 615, 650 000 kama. Ouh là là. Voilà, plus. Il faut 10 têtes de mort. Donc plus 30 000 kama. Plus les 10 sangs du Toxiliate. Donc 100 du Toxoliate. 10. Donc ça fait plus 30 000 kama. 3. Plus 20 ailes de mort frelon. Donc là c'est vraiment ça, le prix augmente. Donc vous voyez 1 million 2 ça va faire. Parce qu'il en faut 20. 1, 2, 3, 1 million 2. Donc le prix est presque abouti, vous allez voir. Donc maintenant 34 ailes de puce ronde. Donc puce ronde. Donc là on arrive à 300 000 kama, les 34. 1, 2, 3. Pas de scoliopode. Scoliopode. Donc il en faut 30, donc ce sera à peu près le même prix. 300 000 kama plus 300 000 kama. Ou attendez, j'ai fait une erreur là. Ouh là là, attendez, j'ai fait plus 3 millions, donc je vais baisser, je vais faire moins 3 millions. Donc ouais, moins, plus, voilà. Donc plus 300 000 kama. Oui, excusez-moi, j'avais mis un zéro en trop, du coup ça avait... C'était plus le même prix, on va dire. Donc on va aller voir les lemmes de Tengu Givre Fuchs. Tengu, on va en prendre, il en faut 12. Donc 12, ça fait 50 000 kama. Plus 1, 2, 3, 50 000 kama. Plus le Sporm de Draemon. Donc Sporm. Et le prix. Et de... Oh bah attendez, je l'ai acheté, bon c'est pas grave. Et le prix est de 2 068 000 kama alors qu'il vaut 4 millions 6. Donc je vais directement le craft, trouver un tailleur et le craft. Donc on se retrouve dès que j'ai craft l'ensemble de l'équipement. Re tout le monde, donc voilà, j'ai trouvé mon tailleur de level 100. Donc on va directement craft. Donc je lui fais une petite dédicace à OZ Roxor. Donc Draemon. Oulala, attendez. Donc ouais. Faut juste que je retrouve. Oui voilà, Draemon. Donc j'en ai pris pour craft 2. Pour craft 2 caps, ouais. 2 caps, voilà. Donc vous allez voir. Donc j'ai pris pour le prix de 2. Donc je vais lui mettre quand même 20 000 kama. Donc là, il y en a pour 9 millions. Donc 5 millions. 5 000. Ouais non, 4 millions de bénéfices. Juste, ça m'a pris 5 minutes. Donc vous allez voir. Fusionner. Ah, attendez, il m'a craft une pour l'instant, ok. Attendez. Darim. Donc c'est sympa à lui, il voulait me le faire gratuit, mais je lui mets quand même un petit prix. Donc voilà. Donc on va directement passer au prix à l'HDV. Donc vous allez voir, c'est vraiment, mais elle est vraiment super cette technique Kama. Bon, il vous faut quand même une petite base au début. Donc je vous mettrai le lien de ma précédente vidéo technique farming. Donc vous pouvez partir de 0 Kama avec cette technique. Donc aussi, vous pouvez les FM ou les over et vous faire vraiment de bons jets. Et les vendre plus de 4 millions 6. Donc moi je vais les mettre à 4 500 000 Kama. Donc ça fait 9 millions.
Et en début de vidéo, j'étais à 10 millions. Ça m'a coûté 5 millions 5 et là, je me fais 9 millions. Donc j'ai fait 3 millions 5 de bénéfices. Et en plus, non, même pas, j'étais à 9 millions de Kama en début de vidéo, je crois bien. Bon, vous verrez bien. Vous le verrez, vous, quand vous serez en autre vidéo. Donc j'espère que cette petite Anikama vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Ce serait vraiment sympa de votre part. Donc allez, ciao les gens, et à une prochaine.